était déjà venu à l'aéroport pour passer le message de responsabilité et d'engagement au niveau des douaniers qui sont postés ici. Le message du président pour que ces douaniers, d'abord qui sont ici pour la sécurisation et la mobilisation des recettes, mais aussi pour la sécurisation du travail aéroportier. Vous avez vu que j'ai visité la douane, j'ai visité la gendarmerie, la police, pour que ensemble ces trois services-là puissent travailler en relation avec la direction générale de la SOGEAC pour améliorer les conditions de travail et de sécurisation de l'aéroport. C'est la vitrine de notre pays. Il faudrait que ces agents de l'État qui sont positionnés à ce niveau soient vraiment le reflet de la Guinée, parce qu'ils vendent l'image de la Guinée. Mais aussi, ils ont une mission de sécurisation. C'est pourquoi j'ai appelé l'attention au niveau des scanners pour que les produits puissent être bien vérifiés et contrôlés. Ça y va de la crédibilité du pays à l'international, mais aussi ça y va de la sécurité et de la santé publique de nos populations. Il y a des produits dangereux qui sont manipulés ici, il y a des produits pharmaceutiques qui arrivent qui ne sont pas de bonne qualité. Donc les différents services doivent être vraiment interconnectés et interopérables pour que l'aéroport de Conakry puisse connaître l'image que nous attendons des services de l'État sur le terrain.